Good morning, Aleid, allez, tu seras aujourd'hui le Nishmat Dov, Ben Yudit, et Vietar, Mouam, Ben Chedva, Chayester, Bat Myriam, Itzrak Ben Fortuna, Itzrak Peretz Ben Fortuna, si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechat Shabbat, Rikret Mishnah Aleph. Hamotzi Yain, Kede Mezigat Akos, Chalav, Kede Gmiya, Dvash, Kede Liten Alakatit, Shemen, Kede La Souf, Aver Ketan, Maim, Kede La Chouf, Baem et Akilo, Ushar Kola Mashkin, Birviit, Mechol La Choufrin, Birviit. Bishman Omer, Kolan Berevit, Velamon Kolashurim Alalu, Ela Lematsni Ehen. Bon, deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, un sujet général qu'on va constater pendant encore plusieurs Mishnayot, ça va durer, je crois, presque deux prakim, il y aura des petites pauses par-ci par-là. Mais, à savoir, dans la Mishnah, dans le Perek précédent, Perek Zayin Mishnah Gimel, on avait découvert une règle que, de manière générale, bon, dans tous les interdits de la Torah, il y a des shiurim, des quantités requises. L'interdit, la Torah te dit, tu ne mangeras pas du nevela, du chazir. Eh bien, dans ce cas-là, l'interdit, c'est à partir de si tu commences, si tu vas manger un kazaït. Il y a des fois l'interdit de Pessah avec kotevet, agasa, seor bekazaït, chamez bekazaït, seor bekotevet. Il y a chaque interdit de la Torah, elle a une quantité requise pour transgresser. Des fois, ça va être bémachéou, même avec un petit peu. Des fois, ça va être plus. Pour l'interdit de porter à Shabbat, on avait appris une règle dans le Perek Zayin Mishnah Gimel qui me disait chaque chose, à partir du moment où il y a une quantité conséquente, assez importante, pour que l'usage des gens ait de conserver, de ne pas garder, de garder, de conserver une quantité, une petite quantité, ne pas la jeter, ne pas la négliger, et bien dans ce cas-là, si tu portes cette chose-là pendant Shabbat, tu transgresseras l'interdit de porter à Shabbat. À savoir, par exemple, imaginez un petit peu d'eau dans un petit verre, un fond de verre. Vous n'allez pas le garder. Mais si il va y avoir une quantité d'eau assez importante, alors vous allez le garder. D'accord? C'est le principe qu'on avait vu dans la Mishnah Gimel, qu'on complétera ce principe à la fin de la Mishnah avec Rabbi Shimon. On laisse ça de côté pour le moment. Pour le moment, dans la première partie du shiur, eh bien, on va découvrir toutes sortes de liquides, cette fois-ci, où on va transgresser, où la Mishnah va me préciser la quantité requise. De manière générale, on va dire comme ça, un liquide, partout où il y a des halakhot avec des liquides, qu'il s'agisse de faire le kidouche, qu'il s'agisse de transgresser en buvant quelque chose d'interdit, toujours la quantité, ce sera toujours un revi'it. 86 centilitres. D'accord? 86 centilitres, en général. Donc ça, ce sera la barre maximale. On va la voir justement là, dans notre Mishnah. Tournez, regardez vite fait la fin de la série, elle va nous dire... On va le voir. Jusque la Mishnah, elle va dire, mais tu sais, il y a pour certains liquides, une barre en dessous même. C'est pas la peine d'attendre d'avoir une quantité tellement importante de revit, mais que même pour moins que ça, on va déjà conserver cette quantité. Et quelles sont ces choses-là? Alors, le premier, ça va être un motzi yain kedem zigatakos. Celui qui va sortir du vin, il transgressa l'interdit de porter à Shabbat, à ceux qui va porter, pas sortir. Celui qui va porter du vin à Shabbat, porté dans la voie publique, eh bien, hein, dès qu'il aura la quantité requise pour mezigatakos, de quoi couper un verre, de quoi on parle exactement. Le vin de l'époque, il était très fort. Et l'usage, il était de prendre une dose de vin et de lui ajouter trois fois la même dose en eau. Et après, on avait un vin qui était équilibré. D'accord? C'était comme ça, les khatrila, on faisait la bracha de Hagefen, même si on rajoutait plein d'eau, parce que c'était nécessaire pour que... C'était comme ça que le vin, il était buvable. Ouais, pour une dose, trois doses d'eau. Donc maintenant, vous savez bien que pour faire kiddush, il faut un revi'it de vin. Mais quand je vous dis un revi'it de vin, c'est mélangé. Donc combien il faut de vin pur? Un quart de revi'it. Comme ça, vous pourrez rajouter ensuite trois quarts de... d'eau dessus, vous allez avoir au total un revi'it. Donc en fait, à partir de un quart de revi'it, un quart de quart, quand on dit revi'it, c'est parce que c'est revi'it à log, c'est par rapport aux mesures, mais je n'ai pas envie d'allonger trop longtemps. Donc 86 centilitres, c'est le revi'it lui-même. Prenez un quart de ça, ça fait 43, et la moitié de 43, donc 21,5 millilitres, centilitres, et ça va être millilitres. Ça mac, millilitres. D'accord. Et comme ça, donc vous aurez un quart de verre. Un quart de revi'it. Comme ça, vous avez la quantité requise pour faire le kiddush. Une petite quantité pareil. Les gens, ils ont l'usage de le garder. Un quart de revi'it.
C'est ce que la Mishnah me dit, Kedem Zigat Akos, de quoi couper le verre. C'est-à-dire quoi couper le verre suffisamment pour que quand tu vas rajouter de l'eau dessus, tu auras la quantité requise. Comme ça, le Bartonar explique, Rova Revit. D'accord, on continue. Chalav Kedegmiya. Du lait. Alors la quantité de lait, on ne va pas attendre d'attendre un Revit, mais même une quantité inférieure, ça va être de Kedegmiya, de quoi l'avaler un coup. D'accord, une bonne gorgée. Pour le lait spécialement. Et voilà, c'est pas précisé spécialement pourquoi. Pourquoi spécialement on n'attend pas un Revit pour le lait, je sais pas. Le partenariat apporte aussi du halav d'animal impur. Dans ce cas-là, eh bien, ça devient un produit qui guérit. Et dans ce cas-là, il va avoir une quantité requise de médicaments, comme ce qu'on va voir juste après quand on va parler du kilor. Pour le moment, on avance. Dvash, du miel. Kedeliten à la catite. De quoi mettre sur la catite. La catite, c'est une plaie sur le dos des animaux. Si, quand ils s'égratignent, eh bien, je ne sais pas, ils avaient l'usage de mettre du dvash, du miel dessus, et ça refermait la plaie, c'est une quantité inférieure au revit. Shemen, de l'huile maintenant, de l'huile d'olive, je suppose. Kedelasu, chaver katan, de quoi oindre un petit membre, ou un membre de petit, et en fait, les deux sont vrais. Le Bartholomew va nous dire, d'un petit noc. Ouais, c'est un éver d'un petit qui est petit. Le plus petit membre d'un petit monsieur. Donc vous prenez un bébé, son petit doigt de pied, le petit doigt de pied d'un bébé, si jamais il a la peau sèche ou quoi que ce soit, il faut une quantité d'huile, quelques petites gouttes, et bien si vous avez cette petite goutte d'huile, on a déjà l'usage de le garder. Il est d'usage de garder une quantité pareille, donc de ce fait, on transgresse l'interdit d'osas et on sort cette petite goutte quantité d'huile. Ensuite, maïm, l'eau. Kedé la chouf bahem et akilor. Suffisamment. De quoi j'ai eu du mal à traduire le mot la chouf et akilor. Le kilor, c'est le collyre. À l'époque, pour se guérir les yeux, ils faisaient des compresses d'eau. Ouais, je ne sais pas quel produit rajouter dedans. Mais aussi, on rajoutait dedans, bien sûr, de l'eau. Et donc, l'eau qu'il fallait pour rajouter sur la compresse, la chouf, c'est le mot la chouf que je n'ai pas su traduire. Ce que ça veut dire verser dessus, couper. Les chefs, je n'ai pas compris, le Bartonora, le Tiferet Israël rapporte. Ouais, le Bartonora s'est dit, les chefs, frotter, je n'ai pas compris comment, quoi, on rapporte, sur la compresse, on frotte avec de l'eau, je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être parce qu'on met des produits dessus et donc il faut les mélanger, d'accord, je suppose que c'est ce que ça veut dire. En tout cas, de quoi fabriquer cette compresse qu'on met pour les yeux, il y a une quantité habituelle qu'on utilise, minimale, et voilà, c'est la quantité d'eau requise. Et la Mishnah continue en disant, Ushar Kola Mashkin. Par contre, tous les autres liquides, alors ce sera Bereviit, si on a la quantité de 1 Revit, comme je vous ai dit. D'accord? 86 millilitres. Et Vechol HaShofrin Bereviit. Vechol HaShofrin Bereviit. Et encore, la Mishnah continue en me disant, Kol HaShofrin, tous les produits, tous les liquides, même les liquides qu'on jette, qu'on a l'usage de jeter, c'est-à-dire qu'on a l'usage de jeter, qui sont déjà plus consommables, une eau sale, nauséabonde, et bien malgré tout, on la garde si elle a une dose de 1 Revit, cette même dose. Pour quelle raison? Cette fois-ci, c'est pas parce qu'on va la boire, mais c'est parce que celui qui veut faire un petit peu de titre, du ciment, et il a besoin d'eau, et dans ce cas-là, il va utiliser cette eau-là. Aujourd'hui, on ouvre le robinet, on a de l'eau qui coule, mais imaginez qu'à l'époque, chaque fois que vous voulez boire, il fallait sans arrêt, c'était tout un projet à descendre, partir puiser et puis récupérer de l'eau chez soi à la maison. Donc vous imaginez bien que quand c'était la situation, chaque liquide on gardait bien, précieusement, on n'avait pas les nerfs de partir tout le temps chercher à puiser de l'eau, c'était d'abord il n'y en avait pas autant qu'on voulait. D'accord? Donc du coup, ils calculaient beaucoup quoi faire avec chaque eau, et même de l'eau sale, ils la gardaient quand même parce que ça pouvait quand même servir pour la mélanger, pour faire du ciment. On a fini la première partie de la Mishnah, maintenant la deuxième partie de la Mishnah. Là, on va revenir sur la règle qu'on avait vue dans Perek Zayin Mishnah Gimel avec Rabbi Shimon qui va inverser cette halakha. Rabbi Shimon Omer, Kulan Berevit. Tous les liquides sont tous fixés à un Revit. Velo Amru Kolashiurim Alalu Elalemasnien. Et toutes les quantités que tu as précisées dans cette Mishnah, ce n'est que pour celui qui va garder spécifiquement ces choses-là. Vous ne comprenez pas grand-chose pour le moment. Et on explique. On avait vu dans la Mishnah, Perek Zayin, Mishnah Gimel, on avait vu qu'en fait, ça se passe comme ça. Il y a... la Mishnah, elle me disait une règle. Elle me disait, tu sais, elle me disait deux règles.
La quantité requise pour transgresser l'interdit, eh bien, il faut que ce soit une quantité qu'il est d'usage de conserver, comme on l'a expliqué. Quantité assez importante qu'on ne jette pas n'importe comment, on la garde, parce que ça peut servir. Mais la Mishnah me précisait, mais tu sais, quelqu'un qui va se mettre à garder une quantité inférieure à ça, parce qu'il en a besoin, on avait pris un exemple, un petit bout de chocolat, parce qu'il y a un petit bout de gaufrette, parce qu'il veut le faire un goûter à son fils qui va revenir, il sait que ça va lui faire un beau sourire, il va le garder. Alors là, ce tout petit bout de gaufrette, même s'il n'a pas une quantité importante, on transgressera parce que je l'ai conservé. Donc du coup, en fait, on a deux barèmes de quantité requise. Il y a le barème pour le commun des hommes, chaque produit selon ce qu'il est d'usage de garder, et le barème pour celui qui va spécifiquement donner une importance particulière. Et on va se retrouver avec la même quantité, le même petit bout de gaufrette. Celui qui l'a gardé chez lui, s'il va le prendre, il va sortir sur la voie publique, il va transgresser l'interdit Shabbat, mais moi qui n'ai pas conservé ce bout de gaufrette et je vais le prendre pour l'amener parce que j'ai envie de le porter, et ben moi je ne vais pas transgresser l'interdit Shabbat. Pourquoi? Parce que moi je suis le commun des hommes, je n'ai pas moi conservé ce petit bout de gaufrette, donc il faut une quantité importante de une grugayette, une figue moyenne pour la nourriture. D'accord? Vous avez compris, il y a deux barèmes. Il y a le barème pour celui qui va garder la chose, et le barème pour le commun des hommes. Avec le commun des hommes, du coup, la Michelle m'a dit, tu sais, chaque chose, il va falloir calculer quelle est la quantité requise pour qu'on donne une importance pour la conserver. Tandis que si toi, tu le présentes, tu la gardes, tu conserves spécifiquement cette petite chose, même si elle a une quantité inférieure, parce que tu as une utilité particulière, eh bien, tu transgresses à toi l'interdit de porter, même s'il n'y a pas la quantité requise. Rabbi Shimon, il vient, il dépolarise tout, il ne te dit pas du tout. Le commun des hommes, pour les liquides, révite, ça n'existe pas. Tout ce que tu as vu dans la Mishnah. Tout ce que tu as vu dans la Mishnah, tu sais pourquoi, quand ça a été dit? Que si toi, tu conserves la chose, tu lui donnes une importance malgré tout, Rabbi Shimon te dit, même quand tu lui donnes une importance, il faut qu'il y ait quand même une importance conséquente. Qu'on va trouver quand même des gens un petit peu originaux qui vont garder cette quantité qu'on a évoquée. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends un exemple, le vin, ou peu importe, le miel, le miel qu'on badigeonne sur la plaie du cheval. D'accord? Rabbi Shimon dit, tu sais, moi qui n'ai pas conservé ce dvache, je suis rave que si je sors un révite de dvache, une quantité importante qu'on aime bien manger, boire, apprécier, pas une petite... Ouais, toi qui te mets à conserver spécialement du dvache, parce que tu veux peut-être le garder, que ça peut peut-être te servir avec ton cheval quand il se blesse, eh bien toi, dans ce cas-là, sache qu'il y a une quantité requise. Regardez que, selon Chachamim, en fait, ça se passe comme ça. Pour tous les produits, il y a une quantité fixe qui peut être inférieure à un révite. Et si toi, tu conserves, c'est même une quantité infime. Rabbi Shimon te dit, non, la quantité pour tout le monde, c'est le révite. Et toi qui conserves, alors il faut que tu conserves malgré tout une quantité assez quand même conséquente, que tu puisses faire une utilisation un petit peu qui est conséquente, quand même. Et dans ce cas-là, sur ça, c'est pour toi qu'on va te donner ce barème spécial de tout ce qu'on a vu dans notre Mishnah, avec le vin, et avec le lait, et avec le dvash, et l'huile possible pour oindre, et tout ça, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, à Tzlachakol, tout ça.